Monsieur Mohamed Sharfi, bonjour. Bonjour, madame. Alors, nous sommes à la veille de la tenue de l'élection législative qui aura lieu ce samedi. Quelles sont les dispositions logistiques qui ont été mises en place pour réussir ce rendez-vous important, Monsieur Sharfi? Merci. D'abord, permettez-moi de saluer les auditeurs de la chaîne 3 et de vous remercier de m'offrir l'opportunité de m'adresser à eux en cette période de silence électoral. Les dispositions logistiques, votre question en réalité regroupe toute la problématique. Donc si je réponds à cette question totalement, on va se dire au revoir. Mais quand même, il y a certains axes plus importants que d'autres, bien sûr. Les axes les plus importants concerne d'abord l'encadrement du dispositif électoral. Car les personnes qui encadrent ce dispositif électoral doivent répondre à des conditions morales, des conditions techniques et des conditions juridiques particulières. Leur nombre est de 600 000. C'est dire que non seulement leur choix, mais aussi la vérification de tous les facteurs est une opération très, très délicate. Je vous donne un exemple. Grâce au dispositif informatique mis en place et au croisement d'informations qu'il permet, nous avons pu détecter que parmi l'encadrement des bureaux de vote, il y a des candidats. On a trouvé 700 candidats qui n'ont pas déclaré qu'ils étaient candidats. Mais nous l'avons détecté et c'est supprimé de la liste et remplacé. D'autres cas où les encadreurs étaient dans des comités de candidats. Pour ne pas dire appartenaient à des organisations candidates. Et ils ne l'ont pas déclaré. Parce qu'ils étaient dans l'encadrement des bureaux de vote pendant les présidentielles où cette problématique ne se posait pas. Voilà. Un exemple, sur 600 000, vous détectez à peu près 1000 cas. Et c'était pas évident. Ensuite, nous avons La fabrication des documents électoraux et leur acheminement sur un continent comme l'Algérie. J'ose plus dire des territoires parce que maintenant j'ai vécu concrètement, quand on dit que l'Algérie est un continent, je l'ai vécu concrètement parce que pour fabriquer le milliard 200 millions de bulletins de vote et l'acheminer aux quatre coins de la planète. Parce que là où se trouvent des Algériens, il faut qu'ils puissent avoir les moyens de voter. Et au coin le plus reculé d'Algérie, avec le temps qui nous était imparti pour réagir et concevoir et fabriquer ces bulletins de vote. C'est une gageure que nous avons pu accomplir. Et au jour d'aujourd'hui, tous les bulletins de vote ont été acheminés et mis à la disposition des différents bureaux de vote. La dernière ville à le faire est à Alger, parce que nous l'avons laissé en dernier, puisqu'on ne peut pas stocker ces bulletins ailleurs, puisque l'imprimeur officiel se trouve à Alger. Donc elle a servi en même temps de lieu de fabrication et de stockage jusqu'au jour J. Et hier, tous les bulletins ont été mis à disposition. Donc voilà, le dispositif logistique à peu près se résume à ça. C'est l'encadrement et les documents électoraux. Mais si je me réfère à vos déclarations à l'instant, Monsieur Mohamed Sharfi, vous parlez de 700 candidats qui s'étaient présentés pour assurer l'encadrement de cette opération électorale et qui ont été malheureusement détectés, ou heureusement plutôt détectés par votre système. Est-ce qu'on peut considérer que le système est en place et fiable à 100% pour éviter toute manœuvre de dérapage pendant cette consultation électorale, Monsieur Sharfi? Bien, tout système, par définition, ne peut pas être idéal. S'il était idéal, il serait figé. C'est-à-dire, on n'aurait plus besoin de l'améliorer. Or,
la technologie est en perpétuelle évolution. Et l'équipe d'ingénieurs fait ce qu'il est possible de faire pour que la possibilité d'écart, quelle que soit sa nature, soit réduite au maximum. Et le fait, je le répète, le fait de détecter 700 cas sur 600 000, c'est quand même une garantie que le tamis est réellement serré et que peu d'écarts peuvent survenir dans ce cas. Mais c'est un travail humain, et ben, comme tout travail humain, même la machine est une fabrication humaine, et il n'y a pas de machine parfaite dans quel que soit le domaine. Alors nous sommes dans un contexte de renouveau institutionnel. La crédibilité du scrutin est un gage important dans le contexte actuel. Les lois adoptées et les dispositifs mis en place sont-ils suffisants pour assurer la crédibilité de l'élection, Monsieur Mohamed Chorfi, puisque même la loi électorale a été revue et des sanctions sont envisagées à l'égard des fraudeurs? Vous avez raison de terminer par cette expression, à l'égard des fraudeurs. Parce que ce système, ce mode de scrutin a été conçu de façon originale à partir du système qui existe. On n'a pas inventé le monde de nouveau, mais on a adapté la commission et les intervenants avec la commission. Le premier intervenant est l'autorité nationale indépendante des élections, bien sûr, pour combattre deux choses. L'argent sale et la fraude. Et ces deux conditions sont réunies intrinsèquement dans la loi. Reste la pratique de la loi. Nous avons veillé pendant l'étude des dossiers, par exemple, l'étude des candidatures, nous avons veillé à ce que ces dispositions soient scrupuleusement respectées. Parce que la crédibilité vient d'abord par l'élimination des taches noires qui caractérisait l'ancien système électoral. Tâche noire, nous le connaissons, c'était la politique des quotas et l'argent sale. Bien. Donc, par l'étude des candidatures, l'ANI a prouvé qu'elle était capable à la fois d'écarter toute tentation de quotas et en même temps de combattre l'argent sale tel que l'a prévu la loi dans ses dispositions claires en incriminant la notoriété de fréquentation des milieux de l'argent sale. Alors que si on a dans ses poches de l'argent sale, ça n'en parlons pas, c'est clair. Donc cette notion de notoriété de fréquentation des milieux de l'argent sale a permis quand même Et le contentieux qui s'en est suivi, le contentieux, pour la première fois, l'autorité indépendante dans les systèmes où elle existe, pour la première fois, elle s'est impliquée dans le contentieux judiciaire pour imposer le respect de la loi. Donc, plus jamais l'argent sale, l'achat des voix, Monsieur Mohamed Chorfi. Ah, la lutte est implacable. Mais est-ce que les mentalités vont changer instantanément? Je pense que la nature humaine est par définition très tentée par les voies non vertueuses. Elle est très tentée, c'est ça l'être humain. Donc, et nous continuerons par l'organisation du prochain scrutin aussi qui concerne les collectivités locales, à imposer et créer ainsi des traditions vertueuses pour que l'élection soit enfin un acte vertueux, un acte de construction réellement d'un État vertueux, avec une gouvernance vertueuse. Il faut aller vers une moralisation de la vie politique. Bien sûr. Ben c'est parce que l'accélération, le Covid a perturbé un peu l'agenda. Parce que je pense que dans les objectifs du président de la République, il y avait aussi la loi sur les partis politiques, la loi sur... Bien,
Ça va se faire, je pense, par la suite, durant le mandat. Mais avec la loi, le code électoral, nous avons quand même des règles qui nous permettent de moraliser au moins l'acte électoral. De moraliser. Et la charte morale, déontologique qu'on a, éthique qu'on a fait avec les partis politiques, l'ensemble des partis politiques, il faut le souligner, pour la première fois dans un pays, tous les partis politiques impliqués dans l'élection, toutes les listes indépendantes impliquées dans l'élection se sont réunies ensemble dans une salle avec l'autorité nationale et ont signé la charte, solennellement, la charte éthique. Je pense que le respect de cette charte commence à avoir ses effets, puisque le discours politique lui-même s'est en quelque sorte atténué dans les extrêmes qui le caractérisaient. Les adversaires se respectent maintenant, quelle que soit leur tendance. Même si, bien sûr, la concurrence fait qu'on loue beaucoup plus son produit que le produit du voisin, c'est clair, ça c'est l'axiome concurrentiel. Mais nous constatons une évolution du discours politique, puisque nous le suivons. C'est pas, on ne le suit pas comme les journalistes, c'est-à-dire à titre informatif simplement. Non, nous, parce que le discours politique doit correspondre, doit éviter les interdictions de la loi. Donc on le suit professionnellement pour le surveiller, contrairement à l'aide. Et nous remarquons en même temps qu'il respecte les limites imposées par la loi. Nous n'avons pas enregistré de discours de la haine, nous n'avons pas enregistré de discours qui prennent l'atteinte aux composants de l'identité nationale, etc. Mais nous avons aussi remarqué et noté une évolution très positive sortant de la logique de la négociation à la logique de dialogue. Et cela donne vraiment ouvre une fenêtre sur les perspectives de construction enfin du consensus national autour du projet de société qui doit réunir tous les Algériens par-delà les différences idéologiques, par-delà les différences religieuses, par-delà les différences ethniques, etc. Et cette tendance vertueuse, elle a commencé à se dessiner dans le discours de la présente campagne électorale. Et c'est ça le principe démocratique, le respect des idées mutuelles. La fraude électorale est lourdement réprimée par le code électoral. Ça peut aller jusqu'à 20 ans de réclusion. Vous allez sévir, M. Charfi, sévir sévèrement. La justice a montré que par la petite tentative qui reste inexpliquée de gens, de citoyens lambda, qui ont été requis comme manutentionnaires pour donc libérer les cargaisons de documents électoraux et les entreposer dans les locaux appropriés pour cela, et qui retirent comme ça des liasses de... Mais ils ignoraient que les caméras étaient là. Donc, et ils ignoraient aussi que, comme à Constantine, c'est les délégués de l'ANI qui les ont pris la main dans le sac. La justice a dit ça, ils ont été condamnés pour cela 2 ans. Bon, mais il y a eu quelques bulletins qui ont pu être photocopiés et actuellement circulent dans les réseaux sociaux. Mais 2 ans pour avoir retiré, ça n'a aucune influence sur le scrutin. Mais le seul fait de retirer un document électoral, ça a valu 2 ans à son auteur. Alors, serait-il probable d'être face à un scénario similaire à celui de l'élection présidentielle de 2019, le 12 décembre, ou du référendum du 1er novembre dernier, où des tentatives d'empêchement du déroulement du vote ont été organisées par certains individus? L'État a déjà averti par, bien sûr, les voies légales, mais dans les faits, comment protéger aujourd'hui, M. Charfi, l'opération électorale? Ça relève de vos prérogatives ou des services de sécurité, ou quelle est la partie qui doit s'occuper de cet aspect-là? La loi a prévu clairement que l'ANI et son président avaient une responsabilité dans le respect de l'ordre public en rapport avec le déroulement du scrutin.
Mais il est clair que l'ordre public, dans sa globalité, relève du pouvoir exécutif. Donc la loi a prévu une coordination entre le président de l'ANI et les services compétents. Je pense que l'État a dépassé la perspective répressive. Je pense que la démarche de l'État actuellement est de ne pas permettre à ceux qui sont tentés de provoquer l'irréparable en allant jusqu'à verser du sang algérien. Bien. Avec cela, nous pensons que l'important n'est pas d'empêcher les gens de ne pas voter. Non. L'important, c'est que ceux qui veulent voter ne trouvent pas d'obstacle matériel pour le faire. Et ça, je pense que l'État ne pourra pas laisser que des citoyens qui veulent exercer leurs devoirs et leurs droits soient empêchés de le faire. Alors, merci Sarah. Monsieur Mohamed Chalfi, moi je voudrais revenir avec vous sur, bien sûr, l'importance de cette consultation et cette, bien sûr, élection législative pour le renouvellement, bien sûr, des membres du Parlement, qui est l'exécutif, plutôt le législateur de demain. Le grand enjeu de cette élection, monsieur Chalfi, c'est la participation au vu de la forte adhésion de près de pratiquement 22 000 candidats entre indépendants et partis politiques. Est-ce qu'on peut considérer que le taux de participation serait supérieur par rapport aux précédentes consultations, parce qu'il y a une participation massive de la société civile et des indépendants. Monsieur Mohamed Chalfi, comment vous voyez les choses? Ben, vous avez fait une constatation de bon sens. C'est vrai, la multiplication des candidatures est un engouement. Et l'engouement pour la candidature n'est pas... totalement sans effet sur la perception de l'opinion publique du futur Parlement. Donc, si on se fie uniquement à l'engouement pour les candidatures, on peut espérer que la participation citoyenne pour cette élection sera pour le moins supérieure à ce qui était connu pour les... Je parle de la participation réelle. Comme ils ne disent pas que pour tel scrutin, il y a eu tant de participation. Non, je parle de participation réelle parce que l'autorité nationale indépendante considère que la vérité sur la participation citoyenne fait partie de la bataille pour la crédibilité. Il faut que les citoyens sachent avec certitude qui a été élu avec combien de voix. Et il n'est pas question, comme par le passé, de gonfler les chiffres ou quoi que ce soit. On nous a reproché pour le référendum d'avoir annoncé, oui, avec fierté, notre constitution a été adoptée par le peuple algérien selon les règles démocratiques. Dans ce cas-là, ce qui compte, c'est la majorité qui a participé aux élections. Donc, les électeurs qui n'ont pas participé aux élections, en démocratie, sont considérés, ne sont pas comptabilisés. Oui, voilà. Mais est-ce qu'on pourrait penser que le taux pourrait être supérieur à celui de 40%, 45%, 50%, 55%? Quel est votre pronostic, M. Mohamed Chalfi, par rapport à cette participation des listes indépendantes? On va fixer un seuil à priori. Mais les amis vont voter, mais les parents vont voter pour leur candidat, c'est-à-dire... On a dit que cela implique, par bon sens, que le taux de participation sera... plus important, par exemple, que celui qui a caractérisé le référendum. C'est clair. Maintenant, quelle sera l'amplitude de cet accroissement? Ce serait vraiment faire preuve de prédiction plutôt que de prévision.
Mais au vu de la complexité de cette élection par rapport au nouveau mode électoral qui est mis en place avec la suppression de la tête de liste, les résultats, est-ce qu'ils pourraient être proclamés à l'issue de la consultation durant la traditionnelle conférence de presse du lendemain, ou faudra-t-il attendre plus longtemps parce que le mode de, bien sûr, de comptage, il est quasiment triple, il a changé totalement. C'est plus une liste, mais c'est un candidat. C'est à la fois une liste et un candidat. Et ça va être complexe et difficile. Et je vous félicite d'avoir perçu cette bipolarité du mode du scrutin. Effectivement, il y a deux scrutins en un. Premier scrutin, pour définir le paysage politique, macro-analyse du paysage politique. Et deuxième scrutin, intégré au premier, quels sont les hommes et les femmes qui vont être chargés d'animer ce paysage politique que l'électeur a choisi. Donc, il y aura première opération dans le bureau de vote, la comptabilisation des voix reçues par chaque liste. Donc, ceux qui remplissent du quotient électoral, ils ont autant de sièges que de quotient électoral dans leur liste. Ensuite, à l'intérieur de chaque liste, il y aura une deuxième opération. Chaque liste qui a été donc reçue, quels sont les députés de sa liste qui vont. Et ça, c'est l'électeur aussi qui va être. C'est selon le nombre de points que chaque électeur aura accordé à chacun des membres de la liste. Mais est-ce qu'on aura les résultats Je vais répondre. Avec la conférence de presse, la tradition. Parce que pour que les gens comprennent la complexité, effectivement. Et pour expliquer le choix, le calcul des députés qui vont animer le paysage politique à l'intérieur de chaque liste, il faut revenir vers chaque bulletin de vote, revenir et comptabiliser le nombre de points acquis par chaque député. C'est-à-dire, vous imaginez, analyser le 1 200 000 000 de bulletins pour connaître à l'intérieur de chaque bulletin, de 34 à 3, c'est le nombre de sièges, à peu près l'amplitude des sièges pour chaque circonscription. Ça ne peut pas se faire en 24 heures. Donc, on n'aura pas les résultats par personne et individu le lendemain, à la traditionnelle conférence de presse. Ni le lendemain, ni le surlendemain. Il faudra attendre une semaine. C'est clair. Bon, la loi prévoit que c'est à 96 heures que le président de l'ANI peut prolonger de 48 heures. Mais il y a le point de départ, c'est l'arrivée des PV. Et on ne peut pas proclamer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, on aura le taux de participation. Oui, c'est clair. Ça, c'est les données que dans le point de presse qu'on fait à chaque fois. J'indiquerai le taux de participation par zone, etc. Mais nous avons, pour raccourcir ces délais, imaginé des solutions technologiques. Par exemple, les PV, pour la première fois, les procès-verbaux seront, les listes de candidatures seront imprimées sur les procès-verbaux eux-mêmes, pour qu'il n'y ait pas de perte de temps pour réécrire à la main les. Cela nous fera gagner au minimum 30% de temps, ne serait-ce que cela. Ensuite, le pointage au niveau des bureaux de vote seront donc répliqués au niveau de la commission électorale, mais à ce moment-là, la relève sera prise par l'application informatique qui, au niveau de la wilaya, fera raccourcir les délais, etc. Donc, je ne veux pas faire de pronostic, mais je pense que au bout de 4-5 jours, on peut faire une déclaration, parce qu'il ne faut pas parler de proclamation, sinon les délais commencent pour le Conseil constitutionnel. Voilà. Donc, ce sera des proclamations des résultats provisoires en attendant. Une déclaration, ça va se faire en deux phases. Une déclaration concernant le paysage politique, c'est-à-dire vous saurez quels sont les partis et les indépendants qui seront présents au Parlement, avec le poids de chacun. Par exemple, je dis, le parti X sera présent au Parlement avec 5 sièges, par exemple. La liste indépendante X sera présente au Parlement avec tant de sièges. Après, on verra
quels sont les députés de chacun. Et ça, ça demande plus de temps, puisqu'il faut pointer chaque bulletin et chaque candidat pour savoir quels sont les élus à l'intérieur de chaque liste. Alors, vu cette complexité, est-ce qu'on peut considérer que les encadreurs du scrutin ont été formés sur ce nouveau système de comptage? Rapidement, M. Chalfi, sur cette question. Nous avons déjà, la semaine dernière, formé des formateurs par visioconférence. 10 000 encadreurs qui sont les présidents de bureaux de vote qui seront chargés donc de former les autres membres. 10 000 en une seule séance. Elle a été suivie de deux autres visioconférences. Même les magistrats qui sont censés connaître la loi puisqu'ils sont chargés de l'appliquer, même les magistrats ont eu leur part de formation par visioconférence. Et aujourd'hui même, nous allons faire les essais, les sondages par visioconférence pour savoir si il y a une compréhension uniforme du dispositif nouveau mis en place. Pour cela, je pense que le succès est assuré et que donc tous les participants seront sur le même niveau de formation et d'information. Alors rapidement sur ces questions, la crédibilité du prochain Parlement est-elle tributaire de la crédibilité du scrutin, M. Chorfi? Et comment? Puisque c'est ça l'enjeu. C'est la légitimation en amont. De cette institution importante. De toutes les institutions nationales qui doivent être élues. Je prends un exemple. Le président de la République. Élu démocratiquement à la reconnaissance de tous les observateurs étrangers, médias et représentants diplomatiques réunis. Il y aura des observateurs pour cette consultation, M. Chalfi? Observateurs, qu'est-ce que vous appelez observateurs? Aussi bien ceux désignés par les partis politiques que peut-être des observateurs étrangers, M. Mohamed Chalfi. Les observateurs étrangers, je l'ai affirmé lors des élections présidentielles, où l'Algérie est capable de construire des institutions dignes des normes internationales où elle ne l'est pas. Donc, cette position est partagée par l'État algérien et il n'est pas question pour nous nos amis qui sont représentés en Algérie peuvent, aucun problème. La presse étrangère qui sera nombreuse cette fois-ci aussi peut servir de. Mais l'important, c'est le contrôle de la société, le contrôle des partis politiques, le contrôle des listes indépendantes elles-mêmes. Elles sont présentes dans tous les bureaux de vote. 5. Le tirage au sort a eu lieu dans toutes les représentations de l'ANI. Et cela, pour moi, c'est la meilleure garantie de transparence. C'est, y compris pour la première fois, à la demande des partis politiques et des listes indépendantes. Certains ont pensé que c'était une demande impossible à satisfaire. Et ils l'ont dit. On a demandé au président de permettre aux partis politiques et aux listes indépendantes d'avoir des représentants au niveau de la commission de Wilaya, qu'un chef de parti a appelé la boîte noire. C'est là où j'ai répondu favorablement. Donc, même à ce niveau-là, où cela n'a jamais existé, il y aura des représentants des partis politiques et des listes indépendantes pour assister donc au contrôle ultime qui permettra d'arrêter la liste des membres du Parlement. Il y aura des représentants. En plus du fait qu'ils recevront une copie du PV de dépouillement au niveau donc du bureau de vote, ils recevront un PV de centralisation au niveau des commissions communales et ils recevront une copie du PV de centralisation au niveau de la commission de Wilaya. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on s'achemine vers une reconfiguration et un rajeunissement de la classe politique, puisque vous avez déclaré que 40% des candidats ont moins de 40 ans et ils ont aussi des niveaux universitaires? Permettez-moi de corriger. Ils sont au moins, par définition de la loi, ils sont au moins 50%, les moins de 40 ans. Ils sont au moins, mathématiquement,
obligatoirement, ils sont au moins 50%. J'ai dit que, que leur nombre a dépassé le niveau prévu par la loi et que nous avons environ 70% ou 65% de jeunes de moins de 40 ans dans, dans les listes. Maintenant, l'électeur, est-ce qu'il va choisir plutôt les jeunes que les moins jeunes? Ça, c'est un autre problème. C'est le choix. Mais l'essentiel, au niveau des candidatures, c'est plus de 50%. En plus, aussi, la participation de la femme. C'est extraordinaire. Vous ne m'avez pas posé la question, peut-être par pudeur féminine? Non, je vais vous la poser. Allez, allez-y alors. Justement, la participation de la femme, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'elle sera fortement représentée au vu des candidatures, monsieur Mohamed Chaufi, puisqu'on a vu qu'il y a une disposition qui a été rajoutée par rapport au fait qu'on pouvait, pour certains partis politiques qui n'arrivaient pas à mobiliser, d'être flexible sur la question de la candidature des femmes. C'est un recul ou c'est une avancée? Ou plutôt recul? Non. Par rapport à quoi? Recul, par rapport à quoi? On sait quoi, que la place de la femme dans le Parlement passé, donc recul par rapport à quoi? Il y avait 30%. Bien. Mais cette fois-ci, on parle de parité. 50-50. Oui. On va les atteindre? Dans certaines listes, peut-être, il y aura moins. Mais dans beaucoup de listes, il y aura, vous serez étonnés. Vous serez étonnés de la place de la femme. Je serais étonné parce que vous avez parlé des reculs, etc. Je dis, vous serez étonné de voir la dynamique enclenchée par la femme algérienne dans le Parlement. Dans tous les domaines. Oui, bien sûr, mais depuis la Révolution à ce moment-là. Depuis la Révolution, on le sait. Je parle du Parlement. Je parle du Parlement où elle était absente totalement. Puis, petit à petit, les révolutionnaires qui ont fait la Révolution... On en fait leur apparition au Parlement, puis petit à petit jusqu'au dernier Parlement, où la présence a été plus forte que par le passé. Mais en tout cas, la loi nouvelle a pensé qu'il fallait faire un pas de plus en avant et a posé le principe de la parité. Vous avez évoqué effectivement cette possibilité, parce qu'effectivement, le législateur avait pensé que peut-être on ne pouvait pas faire un saut important et qu'il fallait... avancer doucement. La parabole dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais je l'ai dit, je le répète, la société algérienne, le peuple algérien montait qu'il était en avance sur sa classe politique. Puisque dans certaines listes, nous avons même une liste 100% femmes, bien sûr. C'est 4 sièges, mais 100% femmes. Nous avons des listes où la parité est en faveur de la femme. Donc, vous serez étonné donc de voir que la société a été au-delà des craintes légitimes, parce que le législateur a pour objet aussi de ne pas heurter la dynamique sociale, de ne pas chercher à provoquer des bouleversements rapides. Le tracteur et le tracté. Le lien de traction, on en a parlé. Il ne faut pas qu'il se casse parce que le fossé sera plus grand entre les deux monticules. Donc le droit doit aller progressivement vers des changements progressifs et définitifs. Et la place de la femme, aujourd'hui, malgré cette précaution, les gens ne l'ont pas, à part quelques deux ou trois wilayats où effectivement... La problématique s'est passée puisque la place de la femme a été moins de 50%. Mais dans le reste, partout, elle est au moins de 50%, si ce n'est plus dans certaines wilayats. J'ai des chiffres, si vous voulez en prendre connaissance, vous pouvez en prendre connaissance. Alors, vous avez cette question de l'auditeur, M. Mohamed Chaufi, rapidement. La majorité des candidats n'ont pas de niveau scolaire important. Comment voyez-vous la crédibilité du Parlement, puisque ces gens-là sont appelés demain à légiférer en clair, adopter des lois? C'est la question de l'auditeur, un questionnement que tout le monde se pose aussi comme question. C'est le cas ou ce n'est pas le cas? Vous allez peut-être apporter des clarifications, M. Chaufi. Je respecte cet auditeur. Il a posé une question que les gens se posent depuis quelques années. Mais la loi nouvelle a introduit une condition. Il ne faut pas oublier qu'il y a la parité pour les universitaires. Et je vous ai dit qu'il y a 309 listes à 100% universitaires.
309 listes, 100% universitaires. Et il n'y a pas de liste où il n'y a pas la part universitaire prévue par la loi. Donc, dire la majorité n'a pas de niveau, c'est à la fois contraire à la réalité et contraire à la loi. Alors, vous avez apporté le rectificatif. Aujourd'hui, la volonté de rupture et du changement est véritable, puisqu'on est, on s'achemine vers la, c'est-à-dire la, le renouvellement des institutions de l'État. On parle déjà des locales, Monsieur Mohamed Chorfi. On pourrait convoquer, le président pourrait convoquer le corps électoral à partir peut-être de la rentrée sociale prochaine ou au mois d'août. Pour le local, tout est déjà prêt. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un exercice qui prépare les locales, parce que ça sera APC, APUI, c'est un deux élections en un. Non, vous savez... Les locales, on est prêts. Vous ne pouvez pas préparer un scrutin qui n'est pas proclamé. Hier, j'ai réuni les fonctionnaires de l'imprimerie officielle qui se sont engagés pour imprimer le 1 200 000 000 de bulletins et qui ont aussi, sur ces bulletins, ont multiplié par le nombre de sièges par 462... Donc, photos de candidats qui ont passé des nuits entières au siège de l'ANI pour à la fois corriger les photos qui figuraient dans les dossiers qu'on a récupérés et en même temps fabriquer les documents électoraux dans les délais impartis. Dire que le prochain scrutin est déjà préparé. J'ai pas dit qu'il était préparé. Est-ce qu'on est déjà prêt, c'est-à-dire on se prépare déjà? Est-ce qu'on se projette dans la perspective d'aller vers les locales, puisque même le porte-parole du gouvernement a indiqué qu'il pourrait y avoir, bien sûr, dissolution des APC et des APU? C'est clair. Dans nos projections, c'est clair, on se prépare. Mais l'important, c'est de se préparer matériellement. Vous avez les moyens? Vous avez eu tous les moyens? Vous êtes maintenant une entité totalement indépendante sur le plan logistique et sur le plan financier, Monsieur Chalfi. Pour chaque élection, sont dégagées par le budget élection. Le budget élection ne peut être décidé qu'après convocation du corps électoral, vous savez. Et là, pour revenir avec, j'avais posé la question au directeur d'imprimerie officielle. Quelle est l'élection la plus importante où vous avez réalisé le plus grand nombre de bulletins de vote? Il me dit celle de 2017. Combien? 900 millions de bulletins. Et 900 là, vous millions. Êtes à 1 200 000. Oui, mais la comparaison n'est pas du tout possible. Pourquoi? Parce que depuis 2012, on savait qu'en 2017, il allait y avoir des élections législatives. C'est ce qu'on appelle les agendas préétablis. Or, l'ANI est venu pour des agendas non préétablis, des agendas non prévus. Et ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'elle doit décider de la préparation, de dégager les moyens de ce que se faisait habituellement pendant 5 ans, elle doit le faire pendant les 3 mois où le corps électoral est convoqué. Donc, c'est un défi. L'histoire en parlera. L'histoire en parlera. Préparer l'élection présidentielle alors que l'année a été mise en place le jour même de la convocation du scrutin et le jour même où la loi électorale a été publiée au journal officiel. L'élection parlementaire aussi, nous l'avons donc commencé le jour où le président de la République a convoqué le corps électoral et donc faire les études nécessaires pour comptabiliser les documents, pour comptabiliser les moyens, pour renouveler le parc des urnes, etc., etc. C'est des défis que seule l'histoire pourra évaluer à sa juste valeur. Donc, pour les élections locales, nous sommes préparés, nous avons fait nos prévisions, effectivement. Mais c'est une prévision, j'allais dire, intellectuelle. Intellectuelle. Il faut la matérialiser aussi. Quand le président décidera qu'il y aura des élections locales anticipées, et donc la modification de la loi, c'est-à-dire qu'il faut être grand clair pour comprendre qu'il y a des dispositions transitoires dans la loi qui permettent d'organiser des élections électorales communales, locales par anticipation. Donc ça veut dire que c'est dans les prévisions du président de la République, c'est clair, net, et c'est mais dire que nous avons tout préparé, ça je m'en tire à le dire. Mais nous sommes, au point de vue conceptuel, nous savons ce qu'il faut faire.
Et c'est sur ce mot de fin que nous allons clôturer cette émission. Monsieur Mohamed Charfi, merci d'avoir répondu à nos questions. Bon courage et bon courage à tous les électeurs qui se dirigeront vers les urnes samedi prochain. Merci beaucoup, bon week-end, à bientôt et merci de nous avoir accueillis ici au CIC pour cette interview. Merci beaucoup, monsieur Charfi. Merci beaucoup. Merci.